Malik Diomz, je m'adresse à toi. J'ai envie de dire mon morceau choisi. Malik Diomz, tu es un producteur qui a fait ses preuves et cela est incontestable. Tout le monde le sait, on l'a dit autour de la table. Tu es bon, tu es fort, tu as récompensé de grands artistes ici. Autre chose, bien sûr, comme je le dis, tu organises des cérémonies, tu organises une cérémonie comme celle ici au risque de me répéter. Pourtant, Malik, pourtant, tu ne te concentres pas que sur la production. Pourquoi ? Dans un premier temps. Déjà parce que je suis en mission. Ma mission, c'est de relever la musique ivoirienne, passant par la production et par tout ce qui va avec. Mais tu ne crains pas de te disperser, justement, et surtout de disperser tes efforts à force de vouloir tout faire et d'être partout à la fois. Ben, c'est comme les cinq doigts de la main. D'accord. Chacun fait son petit métier, mais reste sur la main. Oui, mais bon, après Malik, tu vas me faire une overdose, quoi. Parce qu'on te verra partout et après, on aura l'impression qu'on te voit nulle part. C'est oui, ça le problème, en fait. Après, c'est le choix si ça peut emmener la musique ivoirienne à atteindre son niveau. Parce que il y a certaines choses qui vont vous surprendre. Là, je suis en train de discuter avec des opérateurs immobiliers pour pouvoir faire chaque artiste sa clé de maison. Chaque artiste a créé une maison, grand projet. Un gros projet. Gros projet. Très bientôt, ça verra les jours. Donc, je vais dire, c'est vrai que je veux terminer ma mission. Mais tu le disais, tu as organisé E.T. sur fonds propres. Oui. Et tu es en train de discuter avec des opérateurs économiques pour chaque artiste rappeur, c'est ça? Ou chaque artiste, non, peu importe non, la corporation. Avec grand A. Avec grand A. Donc, chaque artiste, une clé, c'est-à-dire la clé de sa maison. Mm-hmm. Et tu penses pouvoir atteindre cet objectif-là, vu que tu as organisé cet événement sur fonds propres? Tu penses que les gens vont t'accompagner? Non, en tout cas, je me bats pour avoir des accompagnements. Et bien, comme c'est pas hip-hop, tu vois, trop fait, j'ai pas eu d'accompagnement, mais je me suis battu pour arriver à ce niveau. Donc, au niveau de la maison, je vais me battre mais pour avoir des accompagnements parce que c'est 50 villas au départ. 50 villas? Au départ. Au départ. Voilà, et je me bats pour ça et j'invite toute personne qui puisse l'accompagner à ce projet-là. Je vais croiser le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Culture pour qu'ils apportent leur soutien. D'accord. Aux différentes. Pour les artistes de Côte d'Ivoire. Tu sais que le Moulard le fait déjà, non? Tu sais que Primude fait ça déjà, non? Tu sais que Primude récompense tous les artistes. Oui. Et Primude offre des villas aux meilleurs. Oui, aux meilleurs. Mais pourquoi tu ne t'associes pas au Moulard, qui plus est ton cousin, comme tu l'as signifié sur ce plateau, pour faire de cet événement, pour faire de ce projet un énorme projet? Pourquoi? Parce que déjà, je pense que Maury et moi n'a pas forcément la même vision. Mais c'est la musique. C'est la musique qui gagne. Oui, mais moi, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Je veux être le sacrifice pour que le rap atteigne et la musique ivoirienne. Le rap, parce que j'ai été rappeur, on peut dire que c'est mon premier choix, mais pour que la musique ivoirienne atteigne un certain niveau. Je ne suis pas sûr que tout le monde a le même objectif. D'accord. Donc, production musicale, organisateur des spectacles. Comment je vais dire, tu vas offrir des villas à des artistes ivoiriens et après, ce sera quoi? Qu'est-ce qu'on va te voir faire? Déjà, encore, on aura... J'espère que tu ne seras pas banquier. Hein. Je l'espère, moi aussi, parce que... D'accord. Déjà, on ira... on fera... une compilation cette année qui va s'appeler l'Armatan. On va prononcer l'Armatan parce que c'est un temps de chez nous, mais c'est l'Armatan. L'Armatan. L'Arme. Oui. L'Art. Oui, l'Art. C'est des artistes, l'Armatan. Ah, l'Armatan en fait, attendre, d'accord. Artiste. Okay. Une compilation, mais des artistes qui ne sont pas connus. Mm-hmm. On va faire sortir ceux qui ont des bons tubes, des belles chansons, des belles trucs. On va faire une compilation de 18 titres. Qu'on va essayer de une mettre... Une compilation. Tu penses que ça va marcher? Il y a YouTube qui est là. Hein. Tu vas faire des CD. Tu penses que là, l'industrie du CD, ça marche encore en Côte d'Ivoire? Et ce sera ma dernière question, Malik. Non, ce que je veux dire, c'est que tout ça, ça peut être streamé. D'accord. Ça sera streamé comme un album qui sort sur toutes les... Les plateformes qu'on connaît, d'accord, des téléchargements légaux. Des téléchargements. Hein. D'accord. Donc, voilà, il y a beaucoup à venir. Et je me dis que je suis le sacrifice de la musique ivoirienne. Sacrifice, c'est pas un peu trop gros? Sacrifice... Tu te donnes peut-être à la musique, mais sacrifice, enfin... Non, mais parce que j'investis pour pouvoir, hein, par exemple, réaliser des villas, c'est vrai que je ne serai pas forcément le seul financier, mais je veux dire que je peux prendre cet argent pour me construire un château, moi aussi, ou tout ce qui va avec. Donc, merci beaucoup, sacrifice. Malik Diomz, merci.